Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Et toi? Moi ça va, oui, très bien. Donc on va essayer de discuter du journalisme sportif. Est-ce que un journaliste sportif peut être objectif ou non? Et donc en tant que journaliste, c'est une question que je peux me poser régulièrement dans ma pratique professionnelle. Et puis en tant que intéressé par le sport aussi, je peux avoir un point de vue. Et toi aussi, Pierre, je suppose, tu peux te présenter si tu veux. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Je m'appelle Pierre, grand passionné de football. Et quand on a fait l'émission sur le livre que j'ai écrit qui s'appelle Le dernier règne des Girondins, quand on a fait l'émission la semaine dernière, on en est venu à parler de journalisme et à se demander si journalisme sportif et objectivité étaient forcément toujours de mise. Voilà. Oui, tout à fait. C'était un problème qu'on avait relevé au cours de nos nombreuses années de supporterisme des Girondins de Bordeaux et de... Aveuglé par la passion. Voilà. Oui, donc est-ce que tu as une problématique à présenter ou je commence? Alors, la problématique, je ne sais pas si j'ai bien la formulée, Oui. mais quelle est la place de l'objectivité, de la subjectivité et aussi de l'ego dans le journalisme sportif? Je m'explique. Est-ce que un journaliste sportif décrit un événement, un match, une situation de manière objective, est-ce qu'il y met son grain de sel ou est-ce qu'il y a d'autres choses comme le fait de parler de soi, le fait de montrer à quel point on écrit bien qui entre en compte ou est-ce qu'il n'y aurait pas non plus des pressions extérieures? Voilà. Et oui. Merci Pierre. Oui, donc moi, de mon côté, pour préparer l'émission, j'ai écrit quelques petites phrases. Donc je vais commencer si tu veux. Pas de Peut-être ça souci, va je t'écoute. rebondir sur les trois points, donc l'ego, l'objectivité, la subjectivité et les pressions aussi. Donc j'y vais. Allez. Donc. Déjà, pour un journaliste, y a le problème de la définition de ce qu'est un journaliste. En fait, il n'y a pas vraiment de définition dans le droit du travail ou dans le droit du travail. Donc, la définition, en fait, elle est en creux, elle n'est pas positive. En fait, un journaliste, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent en étant journaliste, sur son bulletin de salaire. Donc, ce n'est pas à préciser ce que c'est un journaliste. Donc c'est une définition économique du journalisme, mais pas une définition positive ou éthique. Du coup, les syndicats et les professionnels du journalisme ont créé des chartes et des chartes éthiques, des chartes de déontologie depuis un siècle à peu près, pour pouvoir quand même donner une base ce que c'est un journaliste, ce qu'il peut faire et pas faire. Après, il y a un autre problème. Donc si tu veux réagir, Pierre, oui, tu n'hésites pas à me couper, hein, parce que Oui, sinon. t'inquiète pas, je te couperai dûment. Oui, tu. Donc sinon, du coup, bah, en fait, ce que je remarque aussi dans la profession, en tant que journaliste, donc à La Réunion dans un journal papier, enfin un média local, c'est que beaucoup de journalistes disent le bon journaliste, c'est celui qui dure. C'est-à-dire qu'en fait, pour un bon journaliste, c'est celui qui va faire longtemps ce métier. Donc ça veut dire un mauvais journaliste, ça sera quelqu'un qui l'aura pas fait longtemps, finalement. Mais bon, c'est. Je te coupe un moment, Guillaume. Oui. C'est très discutable comme définition et comme qualification d'un bon journaliste et d'un mauvais. Voilà. Oui, vas-y, si tu veux continuer, oui, Bah, tout à fait. est-ce qu'un journaliste qui dure longtemps, donc, si je prends des exemples, qui va être installé dans le métier, qui n'aura plus à se remettre en question, à se battre, et qui va se contenter de faire son travail de manière. Qui va se contenter de faire le minimum syndical, est-ce que s'il si dure pendant 40 ans, est-ce que ce sera forcément synonyme d'être un bon journaliste? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la durée et la longévité aient à voir avec le fait d'être un bon journaliste ou pas. Tout à fait.
En fait, voilà, je mets Jean-Michel Apathy là en image, parce que c'était lui notamment qui avait donné cette définition. Donc c'est un journaliste. Oui, tu peux mettre Alain Duhamel aussi. Ouais, voilà, Alain, bon, ce n'est pas des journalistes sportifs, mais Jean-Michel Apathy qui a commencé sa carrière comme boulanger et ensuite qui est devenu journaliste. Voilà, c'est pas pour dire ça, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, mais c'est le cas. Et donc, en fait, il est très populaire, mais enfin, en tout cas, il a une très grande carrière. Et aussi, comment il s'appelle? Bourdin. Bourdin Jean-Jacques, Jean-Jacques. de RMC, qui avait dit aussi un journaliste, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui dure. C'est-à-dire qu'après, il y a le côté j'ai des secrets. J'ai des infos explosives, je reste dans le game parce que sinon je peux mettre en l'air pas mal de gens avec des infos un peu dangereuses. Et aussi en restant journaliste, je me protège moi d'éventuels problèmes judiciaires. Puisque Jean-Jacques Bourdin a eu quelques petits problèmes, a été accusé d'agression sexuelle. Mais bon, ça c'est mon interprétation. Hein. Oui, donc tout à fait à hein, ce que tu dis, le bon journaliste, c'est celui qui dure. Or, comment durer en ayant des informations intéressantes? Comment durer, pardon. Donc, comment durer en journalisme? Ben, c'est en ayant des informations intéressantes selon la ligne éditoriale de son média ou de ses médias. Donc, et en fait, là, on en arrive au problème de la ligne éditoriale. Qui définit la ligne éditoriale d'un média? Et donc, en fait, c'est son propriétaire. Et plus globalement, dans le cas des médias de masse, les grands médias écrits ou Internet ou télévision, c'est l'idéologie un peu générale d'une société, quoi, l'idéologie majoritaire, quoi. Voilà. Donc c'est pour durer, en fait, il faut se conformer à l'idéologie majoritaire d'une société, quoi. D'une société et par exemple, je prends l'exemple du journalisme sportif et cet exemple dont on avait parlé hors antenne. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, donc c'était la saison 2001-2002 des Girondins. Bordeaux joue un match contre Paris, ça doit être en septembre, mi-septembre. Bordeaux gagne 1-0 et Bordeaux enfin, effectué un début de saison assez poussif. C'est la saison, souviens-toi, où Christian rejoint le club pour un montant record, où Dorasso rejoint le club, où on a l'inénarrable Paulo Miranda qui rejoint le club, Eduardo Costa, et la sauce ne prend pas, enfin tarde à prendre, et le journaliste passe en revue tous les points négatifs du club, tous les manquements, tout ce qui ne fonctionne pas. Il dit que Christian Pauletta, ça ne colle pas. Il dit que Smertin est certes un excellent joueur, mais qu'il est souvent blessé. Un Paulo journaliste du Miranda. Sud-Ouest. Oui, de Sud-Ouest. Je C'est crois ça. d'ailleurs que c'est Thierry Vautrat. Je crois que c'est lui ou alors c'est Alain Goujon, mais il me semble qu'à l'époque, c'était Thierry Vautrat. Donc il décrit tout ce qui ne va pas dans le club, tous les manquements. Et suite à ça, le club des Girondins le menace. Enfin, le menace. Lui dit qu'il ne pourra plus avoir accès aux entraînements du Haillan et aux conférences de presse, si il continue, si il rédige à nouveau un article de ce genre. Donc ce n'est pas forcément là, dans le cas précis, ce n'est pas la société, c'est en gros, je ne sais pas comment tu pourrais qualifier les Girondins par rapport à Sud-Ouest. Oui, là, c'est sûr que là, on a un Un problème. acteur régional, quoi. Un acteur régional important. Tu veux dire, comment tu me demandes si comment qualifier les Sud-Ouest, c'est ça pour les Girondins? Comment qualifier les Girondins de Bordeaux par rapport à Sud-Ouest? Quel rôle ils ont dans le Sud-Ouest, si tu veux? Alors, je pense qu'ils rapportent des lecteurs à Sud-Ouest, sûrement. Donc ils ont un rôle de comment on dit de gondole, tête de gondole, un peu ils attirent les lecteurs, je pense c'est un produit d'appel. Oui. Et après alors ça je sais pas si c'est un article concernant sur ce que tu dis là. Ah si, les Girondins boycottent Sud-Ouest. Le groupe Sud-Ouest est 2001? actionnaire à 10% du club de foot des Girondins à l'époque en Ah oui. 2001. Ah ok. Je savais pas ça qu'ils étaient actionnaires. Ah oui, moi non plus, j'avais oublié. Ouais.
Donc là, en plus, voilà, il y a vraiment des relations économiques. Donc c'est carrément, c'est certain qu'il y avait un gros lien entre les deux, quoi. Et donc, la question qui découle de ce fait, est-il possible d'être objectif avec un tel enjeu économique? Ouais. Tout à fait. Bah, pour répondre, j'ai fait un petit exposé là. Je peux te le donner. Avec grand plaisir. Donc, je resitue le contexte quoi, du journalisme. Donc, avant le capitalisme, avant donc, le 17e, 18e siècle, il n'y avait pas de journalisme au sens occidental du terme en Europe. Et en fait, le journalisme, il a servi dans les pays européens, à faire disparaître la monarchie, quoi, la royauté, en étant assez progressiste et en faisant avancer des questions de droits de l'homme ou des intérêts économiques déjà. Et donc, ensuite, il est devenu un fidèle pilier des sociétés capitalistes, le journalisme. Il a été assez défenseur des idéaux, des Lumières et puis de l'économie, du développement économique, de la colonisation au 19e siècle. Donc, on peut faire une critique de ce point de vue-là, c'est que par conséquent, il est plus révolutionnaire ou progressiste maintenant, le journalisme, mais il est un peu réactionnaire, mais ou plutôt il est un pilier du régime actuel qui peut être aussi critiqué. Parce qu'en fait, maintenant, il est plus là pour dénoncer, mais il est plutôt là peut-être pour, parfois, c'est une critique qu'on peut lui faire, pour embrouiller et faire diversion sur des problèmes peu importants. Et peut-être que le sport, dès l'origine, aussi, va servir à ça. Donc, on peut faire un peu un parallèle entre sport et journalisme. Donc, j'ai rencontré un historien du sport de l'Université de La Réunion, qui s'appelle Jean-Michel Delaplace, qui est à la retraite maintenant, et il m'a expliqué que le sport est dès l'origine lié aux militaires et à l'expansion coloniale, dès les années 1845. Donc il a une vocation nationaliste, hein, dès le départ, le sport. Dans les revues de sport notamment, il y a beaucoup d'articles sur l'entraînement militaire, la course, la marche, le tir, la boxe, parfois sous forme compétitive, mais pas toujours. Donc après, il y a beaucoup d'articles sur la décolonisation, la colonisation, les grands découvreurs, les chasses aux tigres, etc. Et c'est toujours des grands bourgeois ou des gens des classes aisées qui sont des sportifs à l'époque. C'est l'élite du pays, entre guillemets, qui est sportive. Et donc, on voit que le journalisme aussi à l'époque accompagne ce mouvement-là, bon, sauf les journalistes communistes ou socialistes, bien sûr, qui critiquent, mais ils ne sont pas très représentatifs. Donc après la guerre de 1870, suite à laquelle la France a perdu contre l'Allemagne, enfin la Prusse et l'Allemagne, et la future Allemagne, il y a une mentalité nationaliste en France, hein, on l'a appris au collège ou au lycée. Et donc, voilà, les premiers clubs sportifs apparaissent, comme ça sera au Havre en 1872. Et donc les sports sont corrélés, prolongés par la politique. Ils vont être un élément fort de la politique internationale, explique Monsieur Delaplace. Et plus on va dans des périodes tendues au niveau géopolitique, plus c'est comme ça. Par exemple, bon, après on connaît les exemples, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Donc les Allemands, enfin les nazis vont gagner deux fois plus de médailles que le deuxième pays, les États-Unis. Donc pour montrer comme quoi les athlètes ariens sont supérieurs aux autres races, etc. Et donc, ensuite, le sport permet la propagande, c'est un outil de politique extérieure. Mais Jesse Owens va fraterniser avec le sportif allemand Lutz Lang, m'a appris Monsieur Delaplace, sur la pelouse du stade de Berlin, donc au grand regret d'Adolf Hitler et des dirigeants américains aussi de l'époque qui étaient contre l'égalité raciale. Voilà, donc après on peut continuer avec les Jeux 72 à Munich, prise d'otage des athlètes israéliens par des Palestiniens, etc. Donc voilà, bon, petite digression, Pierre, si tu veux réagir, mais c'était une partie de mon Oui, exposé. je veux juste ajouter quelque chose par rapport au JO de 36.
Jesse Owens, quand quand il gagne son épreuve, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était de la course. Il me semble que Hitler quitte la tribune de rage face à l'exploit de Jesse Owens. Ah ouais, il a été consterné, quoi, par... C'est pour lui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je sais pas, là, je trouve une photo d'Hitler avec... Je sais pas si c'est un... C'est peut-être un montage. C'est sûrement un Ça, montage. oui, Ah oui, je ça, c'est un pense, oui. montage. Oui, quand tu vois sa réaction, oui, je pense que c'est un montage. Oui, on voit que s'il y a du flou, là, c'est un peu... Et tiens, j'ai une question d'ailleurs par rapport à l'influence du sport et des États. Est-ce que tu connais, enfin, est-ce que tu sais, comment dire, est-ce que tu connais l'influence de l'État dans les clubs de l'ex-URSS comme le Dynamo Kiev, le Dynamo Tbilissi, le Dynamo Moscou? Parce que c'était les clubs de l'État. Je ne sais pas si tu Oui. maîtrise le sujet. Pas précisément, mais je sais que comme c'était des sociétés où l'État contrôlait l'économie et pas l'inverse, où aujourd'hui chez nous c'est plutôt les entreprises, enfin les grands capitalistes qui contrôlent l'État, là c'était l'inverse, c'était le Parti communiste qui contrôlait l'État, l'économie. Et donc, ouais, l'économie, chaque secteur important de la société avait son club de sport, donc le Dynamo. Je sais plus. Et puis oui, donc c'est bah ils avaient un lien total, je pense, puisqu'ils étaient c'était public, quoi. Bah oui, et tu avais justement, tu avais le club, c'était le Dynamo de Tbilissi, je crois, qui était le club que supportait Staline, parce qu'il était d'origine géorgienne. Et il me semble qu'il y a un match qui a été rejoué deux fois ou trois fois, jusqu'à ce que le Dynamo de Tbilissi gagne. Ah, ok. Voilà. Bah, il y a une histoire comme ça, je crois. Ah super. Ah ouais, je vais chercher là sur rejouer. Ouais, ben Staline peut-être mettre. Staline. Ouais, je sais pas s'il y est. La mécanique c'est des ouais, je sais pas. Bon, ouais, donc bon peut-être. En tout cas, oui, bon, en URSS, là, il y a tellement de choses par rapport au sport, le dopage, et Mais les... le sport était vachement promu pendant l'URSS. C'était ce qu'on appelle la Vizkultura. Oui, c'était dans les écoles, les enfants faisaient du sport beaucoup. Pendant la guerre froide, le sport était mis en avant aussi comme moyen de montrer que l'URSS pouvait rivaliser avec les États-Unis. L'accent était vraiment mis sur le sport et sur l'entraînement et sur la performance. Oui, c'est vrai qu'il y a des bons côtés. C'était le, je pense qu'au niveau état de santé de la population, quand même, il y a eu des. En URSS, ils faisaient attention à ce que les gens soient Ah assez oui. sportifs, je pense. Ouais, Et c'était oui, c'était. c'était imposé, hein, limite, hein. C'était dans les écoles. Ouais. Enfin, au niveau des enfants, des adolescents, c'était imposé, obligatoire d'avoir une activité physique. Voilà. Et bon, un peu même au niveau scolaire aussi, c'est vrai que c'était assez égalitaire. On pouvait quand même avoir des bonnes études. Même si on était pauvre en URSS. Donc ça, c'était bien. Bon, voilà, je continue. Après, le journalisme sportif, en fait, c'est un reflet déformé du journalisme qui lui-même est un reflet déformé de la société. Donc, il est mieux de se faire la guerre sur un terrain de football qu'en vrai sur un champ de bataille. Tout concourt donc à ce que la presse ne soit pas objective, à mon avis. Ce n'est pas ce qu'attend le propriétaire du média. Être objectif, c'est étudier son thème de travail, ici le sport, comme un objet différent de soi dans lequel on n'engage pas d'affectif. C'est garder une distance. Or, la presse va dès le départ avoir une posture chauvine, que ce soit la presse locale ou nationale, que ce soit la presse sportive, économique ou politique. Donc, il y a la théorie du mort au kilomètre. C'est en journalisme, c'est un mort à Pessac. Et, ou à Paris, si tu habites à Paris, est plus important que 30 morts à Séoul ou en Libye, car les lecteurs ont plus d'intérêt à tous les niveaux dans ce qui se passe à Pessac qu'en Corée. Donc enfin, les lecteurs actuels, quoi, fa façonnés par notre société. C'est pas qu'ils aient. Voilà, quoi. Hormis quelques philosophes ou internationalistes ou gens qui ont des idées larges,
mais qui sont assez rares, les gens auront envie de connaître ce qui se passe à Pessac, dans la ville de là où ils vivent. Même les pubs, les annonceurs pour acheter, qui achètent de la publicité dans les médias, ils veulent des articles sur les là où vivent leurs clients, donc ils émettent une pression aussi sur le média. Donc en fait, voilà, la presse est un pilier de la démocratie moderne dans les pays, de nos pays. Donc elle doit pas être un ferment de dissolution, et donc elle doit soutenir les classes dirigeantes. Et donc elle doit instiller un certain nationalisme et chauvinisme dans la population, je pense. Donc Brosser dans le sens si... du poil, tu veux dire. Comment? Brosser dans le sens du poil, tu veux dire. Ne pas Voilà, contrarier. brosser les notables dans le sens du poil, les Ouais. notables locaux. Ou dans le cas bah, du sport, brosser les Girondins dans le sens du poil. Ne pas trop les contrarier. Ne pas trop remettre en question leur politique sportive et leur recrutement. Oui, il y a des choses qui nous échappent, hein, parce qu'à l'époque, en 2001, dans l'article, la situation dont tu as parlé, donc aussi, en plus, Bordeaux était propriétaire d'un groupe de médias allemands qui s'appelait Bertelsmann, qui possède RTL, et à l'époque possédait les Girondins Bordeaux et M6. Et donc, en plus, voilà, Sud-Ouest avait 10% des parts, donc. On imagine, bon, moi je connais pas, mais j'imagine bien que tous ces gens, tous les dirigeants de ces grands groupes de médias se connaissent très très bien, se fréquentent dans les organisations patronales ou lors de colloques ou lors de même de réunions informelles pour parler de peut-être que c'est des gens qui sont proches. Enfin, bon là, je sais pas. Donc effectivement, on imagine mal qu'ils rentrent en guerre l'un contre l'autre, même si ça arrive parfois hein, que les médias critiquent beaucoup des clubs, hein, mais bon, Oh, du coup, c'est le de plus en journaliste, plus lui, verrouillé. forcément, comment? De plus en plus verrouillé maintenant, la critique. Enfin, ça se fait de, comment dire, ça se fait dans des émissions, par exemple des podcasts. Ça peut se faire à la radio aussi avec l'after qui, eux, tu vois, tu parlais de la position de la passion dans le journalisme. Ça, moi, je pense que c'est un grand problème. Je pense qu'il n'est pas possible d'être passionné. Enfin, il n'est pas possible de, comment dire, laisser parler sa passion dans le journalisme. Parce que la passion aveugle ne rend pas objectif. On est toujours du côté du club et ce qui fait qu'on supporte toujours le club contre vents et marées et qu'on ne voit pas forcément les obstacles ou les coups d'arrêt ou les choses qui sont négatives et qui devraient poser question. Pour rendre hommage à un journaliste que tu n'aimes pas, je crois, Daniel Riolo, qui lui est un grand supporter du Paris Saint-Germain, mais il faut admettre, il faut avouer que, il ne se laisse pas déborder par la passion. Il a toujours le recul et la froideur dans l'analyse. Ça, je trouve ça, je trouve que c'est le métier de journaliste, en fait. Ne pas laisser parler son côté supporter, voilà. Quitte à être un peu toujours négatif, toujours voir les deux faces de la pièce, le positif et le négatif. Ouais. Oh oui, c'est vrai que il a fait du bon travail sur pas mal de dossiers, ouais, je pense, c'est vrai. Donc oui, la passion, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de. Bah, tu en parles dans ton livre, ouais, tu peux rappeler dans ton livre tu définis un peu trois styles de journalistes un peu dans certains personnages là, dans ton dernier roman. Oui. Alors, il y a le journaliste que j'appellerais le ravi de la crèche, pour qui tout est toujours beau, toujours bien, qui s'enflamme à la moindre occasion, qui voit dans un joueur, par exemple, c'était Gourcuff à l'époque, qui voit en Gourcuff mieux que le futur Zidane, qui voit en lui le futur Ballon d'Or sur 10 ans. Il y a le vieux grincheux pour qui c'était mieux avant, donc qui a du mal à s'enthousiasmer pour un nouveau joueur ou les performances d'une équipe. Y a comment dire, le juste, le sage, qui fait preuve de pondération, modération, qui loue les qualités d'une équipe, mais dit également qu'il ne faut pas trop s'enflammer, faut rester les pieds sur terre et, comme je crois que personne n'est devin en ce monde, attendre, voilà, attendre et voir.
Ah, et aussi, pardon, il y avait une quatrième caste. C'était le journaliste qui privilégie la forme sur le fond, donc qui part dans des envolées lyriques, comment dire, dans des colères noires, des démonstrations de colère pour masquer la vacuité de son propos. Voilà. Ouais, surtout ouais, dans l'audiovisuel, ouais, ça se prête bien à ça. Bah, si tu te souviens, une émission sportive qui s'appelait On refait le match, Oui. c'était sur Europe 1 ou RTL, je crois que c'était sur les deux. Hmm. Tu avais justement ce genre de classe de journaliste, de catégorie de journaliste. Tu Ouais, avais ouais. Gilles Verdez, qui critiquait tout. Tu avais Sacco Mano qui, lui, s'envolait, était, comment dire, propice aux envolées lyriques. Tu avais Olivier Rey ou Dominique Grimaud pour qui on n'aura jamais fait mieux et on ne fera jamais mieux que Saint-Étienne 76. Voilà, c'était un peu ça. Oui, c'était le match du lundi, ouais, voilà. Il y avait le match du lundi sur Europe 1 avant, Oui. et après Europe 1, ils ont fait on refait le match, ouais, en On 2001. refait le match. Ouais, ouais c'était bien, ouais. C'était un peu ça qui était l'ancêtre de l'after, un peu, ouais. L'after, je ne sais pas, c'est plus l'ancêtre. Bah, malheureusement, c'est ces émissions de talk show où les uns se coupent la parole. Parce qu'encore, l'after, ils sont deux ou trois sur le plateau. Là, ils étaient bien 7 ou 8, il me semble. Donc, c'était un peu une cacophonie, au final. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, donc je vais continuer un peu à. Là, je vois il nous reste pas longtemps dans le truc Zoom. Il nous reste 7 minutes 37. Donc, parce que sinon, c'est payant. Donc, bon, Oh la vache. sinon, il faudra rajouter après. Ok. Mais refaire une autre. Je pense qu'on pourra en refaire une autre. Totalement. Donc, oui, voilà, le journaliste veut durer, donc c'est une définition actuelle du journaliste, celui qui dure. Donc, il travaille avec des sources qui constituent son réseau d'informateurs. Il doit écrire des articles ou produire des vidéos ou des sons respectant la ligne éditoriale du média, qui est le plus souvent chauvine, que ce soit française ou chauvine pour une ville ou un club. Pour durer, il ne doit pas se fâcher avec ses sources, parce que sinon, elles ne vont plus lui donner d'informations. Donc, comme garant de la stabilité, les sources des journalistes de médias mainstream seront souvent les notables de leur champ de travail. Donc, en sport, ce sera les dirigeants, les joueurs vedettes, les entraîneurs, etc. Il ne faut pas se fâcher avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas des notables parmi les journalistes, justement? Ah, si, 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 c'est un métier extrêmement hiérarchisé, oui. Avec des castes aussi, des statuts. Des gens importants, d'autres moins, ah oui, des grandes gueules, oui. Des gens à ne pas froisser, j'imagine. Des médias aussi, suivant ton média, ben t'es plus ou moins haut dans la hiérarchie, quoi. Si t'es dans un média connu, qui a pignon sur rue, tu vas être plus important qu'un autre. Et les politiques et les sportifs le savent, hein, ils vont choisir tel ou tel média, voilà. Oui. Donc, voilà, sur eux, j'ai mis, c'est un peu le journaliste sportif, c'est lors d'une compétition internationale comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, etc. Il va un peu faire comme un soldat en milieu hostile, loin de ses bases. Il est comme un reporter de guerre qui suit son pays, qui suit son armée, et son esprit chauvin va avoir tendance à augmenter. Donc c'est vrai qu'un reporter de guerre français qui suit une guerre, il va avoir un seul point de vue en général, malheureusement, ça va être toujours le pays qui défend, qui a raison, qui est tout bien, tout parfait. Et puis l'autre, c'est le mal incarné, quoi. Ben, en sport, ça finit Je un peu reviens. comme ça, quoi. Ouais, je voudrais revenir sur ce que tu disais, le chauvinisme. Le chauvinisme qui peut mener à l'aveuglement. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2002, lors de la Coupe du Monde, la France perd son premier match face au Sénégal, Oui. fait match nul contre l'Uruguay et doit impérativement gagner par 2 buts d'écart contre le Danemark lors du dernier match pour espérer se qualifier, pour se qualifier d'ailleurs, en huitième de finale. Je ne sais pas si tu te souviens du comportement de quasi tous les journalistes qui étaient complètement aveuglés par la Coupe du Monde 98 remportée par la France et par l'Euro 2000 aussi.
Ouais. et pour qui il était absolument impossible que la France échoue à se qualifier. Puisque Zidane était blessé pour les deux premiers matchs et il revenait au troisième match alors qu'il était complètement, il était encore blessé, quoi. Il n'était pas remis entièrement et il jouait, comme on dit, sur une jambe. Et pourtant, comment dire, aucune alarme, aucune mise en garde. Non, 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 la France va se qualifier, la France va le faire. Et c'était assez grossier, ce chauvinisme-là à cette époque-là. Comme ils avaient fait un exploit en 98 et en 2000, ils allaient forcément le refaire. Et c'est pour ça que la chute a été d'autant plus grande quand la France ne s'est pas qualifiée, parce que les médias nous avaient conditionnés à ce que la France se qualifie. Et ils n'avaient pas vu tous les éléments négatifs. Il y en avait un paquet d'éléments négatifs, hein, qui justement allaient expliquer l'échec. Oui. Je remarque souvent une arrogance du journaliste et des supporters français sur Twitter notamment ou dans les émissions ou les articles où on est toujours très fort. On est toujours dans les cinq plus grands championnats européens, peu importe la réalité, quoi, c'est-à-dire qu'on est nul et qu'on se fait battre par n'importe quel club de n'importe quel pays européen, mais on est toujours les meilleurs, hein, c'est vrai. Ça, c'est étonnant, cet aveuglement aussi. Ouais. Oui, quand tu parles des cinq championnats français, donc c'est, on peut le rappeler, c'est Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne, et la France est cinquième. Tu prends le nombre de Coupes d'Europe remportées par les clubs portugais, tu prends le nombre de Coupes d'Europe remportées par les clubs néerlandais, belges, écossais, tu peux même prendre les clubs russes. Ukrainien avec le Shakhtar, qui avait gagné la Coupe en 2009. Je ne dis pas que ces pays-là sont devant nous, mais les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique, quand tu vois ce que ça donne à chaque fois qu'on les rencontre en Coupe d'Europe, les clubs français ne gagnent pas souvent. Faut le dire. C'est ça, c'est clair, hein. Bon, je vais arrêter le partage, je vais revenir à l'écran. Ah mince, je sais pas comment on fait. Oui, voilà. Hop, arrêter le partage. Oui, je mets ça au cas où si ça coupe. Comme ça, on relancera, mais au moins. Oui, on fait une deuxième partie, donc c'est ça. Oui, on fera une deuxième partie après Super. si ça coupe. Mais oui, bah après, je vais peut-être parler des Jeux des îles. Oui, pour. Là, il y a eu les Jeux des îles de l'océan Indien de fin août à début septembre, ça s'est passé à Madagascar et ça réunit les pays de la région, c'est-à-dire Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, et puis les deux îles françaises, c'est-à-dire Réunion et Mayotte, mais qui sont pas dans la même équipe. Chacune a une équipe. Et donc, il y a eu des cas assez impressionnants de chauvinisme aussi, notamment au football, qui est le sport roi, où le Madagascar a battu en finale la Réunion. Et en fait, il y a eu une soi-disant erreur d'arbitrage qui a été réalisée, qui a eu lieu, mais qui n'a pas, qui n'était pas flagrante, quoi. Un pénalty pour Madagascar à 2 minutes de la fin qui a donné la victoire à Madagascar, mais qui n'était pas une erreur d'arbitrage flagrante. On peut même peut-être dire que c'était logique de siffler pénalty. Mais bon, les journalistes réunionnais ont pris parti pour la Réunion. Et les joueurs de la Réunion ont envahi le terrain. Il y a même des entraîneurs des joueurs qui ont couru après l'arbitre pour le frapper. Et ça a été, enfin, quelque chose de hallucinant qui aurait dû mériter vraiment des sanctions exemplaires et passer tout seul, quoi. Il y a rien eu presque. Qu'est-ce que tu en penses alors de ce cas du jeu des îles, Pierre? Oui, ça me fait penser à la vision des journalistes français par rapport aux résultats des équipes françaises ou de l'équipe de France. Quand on s'attarde sur une équipe, sur une erreur d'arbitrage qui aurait faussé le résultat, plutôt que de s'attarder sur justement les causes de la défaite. Je prends des exemples, les poteaux carrés en 76 lors de la finale de la Ligue des Champions entre Saint-Étienne et le Bayern. À un moment donné, Saint-Étienne a une grosse occasion, une double occasion d'ailleurs.
Et soi-disant que le ballon n'est pas rentré à cause des poteaux carrés. Mais j'ai envie de dire, les poteaux ont toujours été carrés à cette époque. On est passé au poteau rond dans les années 80, je crois, ou la fin des années 70, je ne sais plus trop. Donc on le savait, ce n'est pas nouveau et ça n'a pas été créé spécialement pour ce match-là, pour justement que l'équipe de Saint-Étienne ne gagne pas. Donc c'est toujours, voilà. Et peut-être aussi que Saint-Étienne n'était pas au niveau. Peut-être que Saint-Étienne aussi, je me souviens d'un reportage où ils avaient des joueurs absents qui s'étaient blessés lors de la journée précédente. Il y avait Dominique Rocheteau qui était le fer de lance de l'attaque, qui était blessé, qui rentre en fin de match. Je pense que les explications sont plus là que par rapport au poteau carré. C'est comme en 2006, quand l'équipe de France perd en finale de la Coupe du Monde contre l'Italie. On nous a dit, oui, mais c'est le coup de boule de Zidane. Zidane n'aurait pas dû être expulsé puisque l'arbitre n'a pas vu ce qu'il avait fait. Et, mais je ne suis pas sûr que la France avec Zidane aurait gagné quand même parce que elle avait à sa tête un sélectionneur qui est, je pense, une des personnes les plus incompétentes qui ait vu le jour en France. Je ne citerai pas son nom, mais j'ai pas envie de me salir la bouche. Mais c'est une personne qui était totalement hors sol. Voilà, et qui n'a pas vu, il n'a pas su réagir par rapport à la physionomie du match, et pas que l'absence ou la présence de Zidane ait changé quoi que ce soit. Voilà, et on s'est beaucoup attardé là-dessus, sur les questions de, bah là, en question, c'était l'arbitrage vidéo, puisqu'en fait, l'arbitre assistant avait vu ce que Zidane avait fait à Materazzi, c'est-à-dire il avait mis un coup de boule dans la poitrine, et il l'avait vu sur les grands écrans du stade, voilà, où il y avait un ralenti. Et Zidane s'était fait expulser. C'était à l'époque, il n'y avait pas l'arbitrage vidéo. Voilà. Donc on a préféré insister là-dessus plutôt que de s'intéresser aux causes réelles des défaillances de l'équipe de France. Et tu vois, c'est toujours comme tu parlais de chauvinisme, c'est toujours les gentils Français contre les méchants les arbitres étrangers. Hein. Puisqu'il y a toujours un complot contre la France. J'exagère, hein, je grossis le trait, mais c'est toujours. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai toujours l'impression que et les Français, on n'est pas aimés, et gna gna gna, on ne veut pas qu'on gagne, ça dérange. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, si, si, effectivement. Il y a pas mal de. Mais est-ce que c'est propre à la France? Je sais pas. Non, mais en tant que Français, on le constate. Et je dirais même plus que si tu regardes dans les compétitions européennes, c'est pareil, hein, c'est toujours une décision d'arbitre défavorable, quoi. C'est juste, c'est comme ça que c'est vu. Enfin, c'est souvent comme ça que c'est vu. Ou un fait de jeu défavorable. On ne se dit pas qu'on aborde le match de la mauvaise des façons, qu'on n'a pas d'ambition offensive dans nos tactiques et dans nos plans de jeu, qu'on a des entraîneurs assez frileux et que les clubs français se battent pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et une fois qu'ils disputent la Coupe d'Europe, ils disent qu'ils ne peuvent pas jouer la Coupe d'Europe à fond parce qu'il faut qu'ils se préservent pour le championnat pour se qualifier l'année d'après en Coupe d'Europe. Là, c'est complètement Ouais. stupide. Voilà. C'est sûr, c'est fou, ouais. Ils sont là justement. J'ai mis un autre match des Jeux des Îles là, dont je parlais avant. C'est la demi-finale Maurice-Réunion. Donc là aussi, un grand moment de chauvinisme parce que en fait, les commentateurs sportifs du match c'était un de chaque pays, donc c'était un réunionnais et un de l'île Maurice et. C'était retransmis pour tous les pays de la compétition, puisqu'ils parlent tous français, enfin, c'est tous des pays francophones. Et donc, sauf que on va voir dans ce match-là, il y a eu un fait de jeu. Il y a eu la Réunion a gagné, mais il y a eu un fait de jeu très bizarre à la fin du match, et ça a déclenché quasiment une engueulade en direct entre les deux journalistes, quoi, le journaliste mauricien et le journaliste réunionnais. Qui chacun défendait son pays, enfin son île, et disait que l'autre avait triché parce qu'il y a le gardien de l'île Maurice qui est monté sur un corner à la 90e et qui aurait bousculé ou frappé le gardien réunionnais qui est tombé. Mais en fait, c'est très étrange parce qu'on a l'impression qu'il ne le touche pas et finalement il est expulsé. Donc c'était vraiment. Ah, mais non, ça c'est le match. Attends, je suis bête. Je te montre un truc d'il y a 4 ans, c'est pas le.
Laisse tomber, c'est pas ça, Je me c'était disais, ça a l'air de l'hypothétique bien il se y a passer, je 4 ans. comprends pas trop là. Mais Pour ça, j'étais là, mais c'est bizarre, je vois pas le. il n'y a pas de problème en fait. Ah, c'est ça, là, voilà. Je pense que c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, bon, voilà, c'était vraiment un cas encore de grand moment de. Et après, je vais mettre Madagascar, Réunion, JOI, ouais. Voilà, la défaite en finale, c'était vraiment, c'était impressionnant, quoi. Et... Ouais, bon, je, ouais, il... Ah non, il met tout le match, je pense. Ah ouais, le match se termine. Ah, voyons. Le match se termine en pleine confusion. Madagascar décroche la médaille d'or. Là, voilà, on voit. Donc, c'est un collègue qui a pris la photo. On voit les joueurs en bleu, des Réunionnais qui essayent d'aller vers l'arbitre. Ils voulaient quasiment, ouais, ils voulaient le frapper. Et apparemment, ça a continué pendant à l'aéroport, ensuite en rentrant. Les joueurs ont failli s'en prendre à l'arbitre qui rentrait à l'île Maurice, quoi. Et bon, c'est vrai que médiatiquement, ça n'a pas fait trop de bruit, hein. Il n'y a pas eu trop de suite. Bon, voilà, donc bon, je me dis, moi, finalement, le manque d'objectivité, bon, je suis journaliste, donc je me dis, les gens Je savent sais ce de quoi qu'ils je parle. achètent. Et comment? Je sais de quoi je parle. Ouais, non, j'essaye de pas être trop Je rigole, je rigole. subjectif dans mes sujets, mais moi je suis pas journaliste sportif, donc mais bon, les mêmes problèmes se reposent exactement pareil en politique ou en économie, et je pense qu'en plus c'est plus grave parce que les sujets sont autrement plus importants quand on parle de l'emploi, de Oui. l'éducation, de la des inégalités, des discriminations. C'est un peu dommage quand les journalistes traitent mal le sujet, quoi. Ça a plus d'impact qu'en Bien sport. sûr. En même temps, le sport est lu par beaucoup plus de monde. Donc finalement, je ne sais pas si ça a plus d'impact. Alors, disons que l'impact du sport est moins important que des décisions économiques et sociales. C'est juste, oui, c'est ça la différence. Et j'ai une question par rapport à l'objectivité et par rapport à la place de l'ego. Enfin, je ne sais pas si l'ego c'est le bon terme, mais à la place de la subjectivité plutôt. Je me souviens d'un match, c'était un Bordeaux-Valence en Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA en 2004, où Mavuba se fait expulser après une action malheureuse en fait. Il est à la lutte avec, c'était Momo Sissoko, je crois, joueur de Valence. Ils sont à la lutte pour un ballon et tous les deux tombent au sol. Et Mavuba, qui était, je pense que tu seras d'accord avec moi, tout sauf un joueur méchant, enfin, qui n'avait pas de mauvaises intentions, qui était un joueur qui pouvait être dur dans le jeu, mais qui n'était pas un joueur méchant. Retombe avec son pied malencontreusement et je pense maladroitement sur la tête de Sissoko et il se fait expulser par l'arbitre. Donc tous les gens dans le stade, je me souviens, étaient dégoûtés parce que Bordeaux perd le match au final parce qu'il joue à 10 pendant plus d'une heure. Et ça, enfin, c'est pas à cause de ça, mais ils sont désavantagés. Et le lendemain dans Sud-Ouest, c'était bah, Thierry Vautrey qui dit non, non, Mavuba devait être expulsé. Alors, est-ce que. Le contre-pied de l'opinion générale, ça veut dire qu'on a vu des choses que le monde n'a pas vues, ou est-ce que c'est un moyen de se dire, bah écoutez, je ne pense pas comme la masse, donc j'ai raison. Et tu vois ce que je veux dire? C'est une façon de se distinguer par rapport, regardez, je ne pense pas comme vous, donc j'ai peut-être raison aussi, ou j'ai raison, parce que je ne pense pas comme la masse. Je ne sais pas si je suis très clair. Moi, je trouve que le problème, c'est non seulement il pense pas comme, enfin. Ce n'est pas un problème qu'il ne pense pas comme la masse, mais c'est qu'il soit plus dans la distinction, comme tu dis, qu'il fasse sortir sa différence, notamment en utilisant des temps qui sont très peu utilisés dans la population locale, comme le passé simple de l'indicatif. Et puis qu'il est, oui, peut-être, si, si, il y a une. C'est certain que si, c'est un métier qui. Forcément, qui peut développer des complexes de supériorité puisque tu fréquentes des gens très importants, très bien vus ou des vedettes, tu as accès à eux, donc tu es différent du reste de la population. Oui, Après, mais ça est-ce dépend du que. caractère personnel de chacun, quoi. Oui. Peut-être qu'il Non, est mais est-ce que déjà le comme ça fait avant. de.
Possible qu'il ait peut-être des ambitions littéraires, on ne sait pas, cachées. Voilà. C'est peut-être un amateur de Proust. Ouais, On ne sait pas. c'est vrai qu'il utilisait beaucoup le passé simple, ce qui est assez déconseillé normalement en journaliste, parce qu'une des leçons, c'est écrire pour être lu. Donc, normalement, l'article, tu l'écris pas pour toi ou pour. Tu écris pour qu'il soit lu par le maximum de gens. Donc, il faut trouver un équilibre entre que ça soit intelligent et intellectuellement intéressant, et en même temps que ça n'utilise pas des concepts ou des vocabulaires trop développés, quoi. Parce que. Oui, puis surtout, tu relates des faits qui se déroulent sous tes yeux. Donc, si tu veux comment dire, partager une tranche justement d'un événement, les temps comme le présent sont nettement plus efficaces, je pense. Ouais. Oui. Puis c'est un temps, voilà, ouais, c'est sûr qui va pas dégoûter le lecteur, quoi, ou l'auditeur. Parce que bon, le passé simple, je pense dans la population, combien de personnes le maîtrisent? Une petite partie, quoi, mais pas énormément, hein. C'est pas la question de la maîtrise, c'est surtout la question de l'usage. Combien de personnes l'utilisent? Oui. Pas beaucoup. Alors là, oui, encore moins. Déjà, ceux qui le comprennent et ceux qui l'utilisent, alors là, ouais. Tout à fait, ouais. Et donc, oui, j'avais Donc, une question. Donc, justement, ouais. la part justement de la subjectivité et de l'ego dans le journalisme, bah, c'était l'exemple ça. Penser différemment, enfin. Penser qu'on pense différemment, justement, pour se distinguer, oui, c'est souvent la manifestation de, je sais pas, de, d'un ego mal placé. Enfin, c'est mon avis. J'ai l'impression que certains journalistes prennent le contre-pied, justement. Je ne sais pas s'ils le font de manière volontaire et consciente, ou si justement il faut toujours, tu sais, quelqu'un qui pense une chose et l'avocat du diable. Je ne sais pas si c'est faut toujours avoir le pour et le contre dans le journalisme parce qu'on ne peut pas avoir un consensus à chaque fois. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au fait justement bah, que la subjectivité est une partie importante du métier de Ouais. journalisme, alors que normalement, selon la charte de Munich, c'est bien ça, Ah oui. le journaliste doit être objectif. On est bien d'accord. Je sais plus le terme exact, ouais, si c'est le journaliste doit être objectif ou enfin bon, c'est dans cette idée-là, hein, ça c'est sûr, hein. Mais est-ce qu'on peut être objectif tout en donnant son impression? Tu peux voir les choses d'une chose, tu peux voir les choses d'une façon, et une personne peut voir la même chose, mais d'une autre façon, avec un autre ressenti. Donc, où est la limite entre objectivité et subjectivité? Tu vois, c'est quand même une limite assez floue. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui. Oui, pardon. Oui, c'est en fait le journaliste. J'ai affiché la charte. Ça, c'est la charte de ouais, 1971. Donc, en fait, c'est surtout être factuellement vrai, quoi, dire des choses qui se sont réellement passées. Après, tu peux donner ton avis, dire ce que tu en penses, mais comme dirait. Je crois que c'est écrit dans Sud-Ouest ou sur Le Figaro. Je ne sais plus sur quel journal c'est écrit. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Donc Oui, il faut l'interprétation, sur. tu veux dire. Ouais. Comment? C'est l'interprétation qui est libre, en fait. Ouais, voilà, mais disons qu'il faut interpréter à partir de faits réels, quoi, ou des choses qui Oui, sont. bien sûr, bien Ne sûr. pas mentir sur ce qui s'est passé, quoi. Après, tu peux interpréter si tu veux, mais. C'est Bah, tu ça en vois, droit de la presse. Comment? c'était le cas de Thierry Vautrat. Donc, le fait, c'est le carton rouge. Ça, c'est incontestable. Et l'interprétation, c'est est-ce que c'était mérité ou. Immérité, enfin non mérité, voilà. Oui. Bon, après, il a le droit hein, d'interpréter s'il veut. Oui, Moi, oui, oui. ce que je trouve dommage des fois maintenant à notre époque de réseaux sociaux, c'est que en fait, oui, tout le monde veut avoir son quart d'heure de gloire et être hyper connu, ou alors connu pour quelque chose, et puis veut se démarquer, en fait, mais sauf que y a une phrase que j'aime bien enfin une phrase, quelque chose que Socrate aurait dit apparemment. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits, les esprits discutent des gens. C'est que le problème, c'est que si tu te distingues en discutant des gens, c'est-à-dire en critiquant un machin parce qu'il est mal habillé ou parce qu'il a dit ci, dit ça,
c'est un peu léger, quoi. Ça élève pas le débat, quoi. Distingue-toi en discutant des grandes idées, quoi, des idées des choses de fond qui sont importantes, mais pas des, voilà. Thierry Vautrin, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que ouais, si c'est se distinguer juste en sans idée de fond derrière, c'est un peu dommage, quoi. Enfin bon, sans cibler Thierry Vautrin que je ne connais pas et Non, contre qui je n'ai rien non, d'ailleurs. Hein. mais moi non plus, non, non, c'était juste que bah, pour le coup, quand il a fait son article sur les Girondins en 2001, c'était une belle leçon de ce que devrait être le journaliste, parce que il parle de ce qui ne va pas dans le club. Et après, on lui dit, bah, en fait, si tu continues, tu n'auras plus accès aux Hayans et aux conférences. Donc, sur ce coup-là, rien à dire. Moi, c'était justement son article le lendemain du match Bordeaux-Valence que j'avais trouvé hallucinant, parce qu'il fallait vraiment être aveugle et d'une mauvaise foi terrible pour dire que c'était que le carton rouge était mérité. Enfin, c'est voilà. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste voit les choses de cette façon. Voilà. Ben après, c'est vrai que comme c'est un métier de salarié, parce qu'on ne peut pas être journaliste et non salarié. On est obligatoirement salarié, que ce soit en contrat de travail ou en pige. Mais le D'accord. syndicat des journalistes interdit, par exemple, l'auto-entreprise, etc. Même si ça se Le pratique. bénévolat, ouais. Ça se pratique, hein. Il y a des journalistes qui sont en auto-entreprise, bon, bien sûr. Mais dans l'éthique professionnelle, ça ne devrait pas exister. Et donc, en fait. Comme c'est un métier de salarié, ça veut dire qu'il y a une subordination. Voilà, en fait, un salarié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un contrat, un lien de subordination avec son employeur. Donc, il est sous domination de son employeur. Et donc, ça lui permet de gagner sa vie pour nourrir sa famille, enfin, ou pour payer son loyer. Donc, en fait, le problème du journaliste, c'est qu'il va avoir un cas de conscience entre. Défendre jusqu'au bout ses principes et valeurs et perdre son emploi. Donc, faut pas se leurrer, c'est une réalité aussi. Donc c'est ce qui expliquerait pourquoi tant de journalistes rentrent dans le rang après en être sortis. Par exemple, le journaliste de Sud-Ouest avec son article sur les Girondins en 2001. On lui a tapé sur les doigts, on lui a dit, bon, bah, tu recommences pas, sinon, on t'interdit l'accès aux Hayans aux joueurs et aux interviews et tout ça, et tu n'auras pas d'informations. Voilà, donc est-ce que c'est pas contredire les principes, enfin les objectifs et les valeurs du journalisme que de rentrer dans le rang, je sais pas. Mais en même temps, ça se comprend, comme tu dis, parce que c'est leur gagne-pain. Donc bon, voilà. Oui, c'est pas un bon calcul à long terme parce que on est quand même des êtres humains, donc on a une conscience et une dignité. Et donc en fait, si tu rentres dans le rang, tu vas vers l'abrutissement finalement, parce que, enfin, je veux dire, tu peux quand même trouver, tu peux pas vendre ta dignité pour juste gagner un salaire. Bon, je pense que c'est pas une bonne. Mais je Non. pense que ça existe et que ça explique aussi le mauvais rôle du journalisme actuel, quoi, qui est mal vu. Oui, justement, comment toi tu juges l'évolution? Moi, je vois par rapport à Sud-Ouest. Alors, je vais avouer, j'adorais lire les résumés de matchs de Sud-Ouest, même quand ils étaient rédigés au passé simple, parce qu'ils nous faisaient revivre le match, vraiment. Mais c'était, tu n'avais pas vu le match, ou tu l'avais écouté à la radio, ou juste t'avais pas vu le match, et ben tu le revivais en lisant Sud-Ouest. Maintenant, je sais pas ce qu'on a. On a un simulacre de résumé de match. C'est fait de manière très peu approfondie, ce qui est très dommage. C'est de façon très neutre, en fait. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, je le lis moins qu'avant, mais oui, c'est vrai que je sais pas. Pour Sud-Ouest et le Girondin, je veux dire, je sais pas trop parce que je lis plus les Sud-Ouest vu que je n'achète plus Sud-Ouest, hein, comme je suis loin. Je pourrais l'acheter sur Internet, tu me diras, mais bon, c'est vrai que ouais, je ne fais pas ça. Je pourrais m'abonner à Sud-Ouest sur Internet. Mais je sais pas ça. Après, en général, oui. Bon, il y a des bons journalistes et des mauvais, mais c'est vrai que ça épouse l'évolution de la société, quoi, qui par certains côtés n'est pas très positive au niveau intellectuel, quoi. Non, mais si tu veux, moi je vois un truc qui me fait halluciner, c'est que. Mettons, demain, Paris joue contre Dortmund en Ligue des Champions. Bon.
Et tu vas avoir des émissions de talk show qui vont commencer 4 heures avant le début du match, qui vont être basées sur du vide, à savoir les joueurs sortent de l'hôtel, les joueurs montent dans le bus va au stade, les joueurs arrivent au stade, les joueurs rentrent dans les vestiaires. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir ça et surtout on s'en fout. Mais ça fait de l'audience, voilà. Parce que et ça fait de l'audience avec des événements qui sont creux et j'ai envie de dire même voire inintéressants. Et en Oui, gros, oui. ça détourne les gens du football et ça passe complètement à côté de l'essentiel, en fait. Tu vois, dans le football maintenant, ce qui marche, c'est est-ce que Messi se sent bien à Paris? Est-ce que Neymar va quitter Paris? Est-ce que un tel va signer dans quel club? Cavani s'embrouille avec Neymar pour un penalty, mais on parle au fond peu de jeu, voire plus du tout. À part évidemment dans quelques émissions spécialisées. Moi, je me souviens, enfin, c'est souvent sous forme de podcast. Tu as un podcast qui s'appelle enfin, qui s'appelait Vue du banc, je ne sais pas s'il continue, où il parle beaucoup de jeu. Dans l'after, ça parle un peu de jeu aussi, de manière moins détaillée, moins tactique, mais ça en parle aussi. Mais à la télévision aussi, mais c'est toujours des accès payants. Tu vois, sur Canal+, il y a une émission sur. Canal plus sport ou foot plus, je sais plus, où il parle du jeu avec des palettes de manière complètement Ah tactique. oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas grand public. L'accès est payant. Donc, et quand le football est justement gratuit, l'accès est gratuit, c'est vraiment le bon usage du vide. Hein. On parle peu de football, on parle de tout ce qu'il y a à côté. Ouais. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est pas que dans le football, on voit une diminution du niveau ouais, des émissions et des productions. Mais est-ce que ça séduit tout le temps et toujours et tout le monde? Je sais pas, peut-être que ça séduit tout le monde, peut y succomber à un moment, mais sans après ne Oui. consommer que de ça, quoi. Oui, ou alors mettre ça en fond, tu vois, sans Oui. forcément s'intéresser à ce qui se passe. Mais il n'empêche que ces émissions sont regardées. Oui. Oui. Bah c'est je sais pas à quoi c'est dû ça, il faudrait être dans le c'est dû peut-être pas à l'argent bon l'énormément d'argent qui est arrivé dans le sport et qui Non, oui, ou au fait qu'il faille séduire le plus de monde possible et quitte à sacrifier le contenu purement tactique et footballistique du jeu pour se consacrer à côté star et paillettes, aux rumeurs, au gossip, comme on dit, au commérage. C'est vrai que vu qu'ils savent que les amateurs de sport et de foot sont déjà captifs, et il faut renégocier les droits régulièrement avec les télés, il faut avoir des droits toujours plus élevés pour les clubs, pour que les joueurs pour faire tourner la machine du foot. Et du coup, voilà, la télé donne de plus en plus. Enfin, on ne sait pas aux prochaines redistributions d'argent là, mais en tout cas, et donc on va tirer vers le bas pour attirer des nouveaux quidam, des gens moins Oui. intéressés par le sport, mais plus par le commérage, comme tu dis. Et du coup, les médias écrits, malheureusement, c'est plus eux qui, enfin malheureusement, c'est plus eux qui dictent un peu la ligne éditoriale générale dans les médias, et donc c'est plus l'audiovisuel, quoi. Et du coup, les journaux aussi succombent à cette manière-là de faire, peut-être. Oui, et puis il y a aussi le fait que maintenant, beaucoup n'ont plus l'attention. Et les capacités d'attention nécessaires parce que ils n'ont pas 1 heure et demie à consacrer à un match et ils s'intéressent plus au résumé court de match et justement moins à la partie jeu et footballistique et tactique du football et plus à de brefs résumés qui représentent enfin qui comprennent plusieurs occasions chaudes et les buts d'un match plutôt que de se taper un match entier. Voilà, donc l'attention est réduite et le contenu, qualitativement, est réduit aussi. C'est peut-être lié à ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est par contre l'objectivité. Disons que là, c'est même plus une question d'objectivité, quoi. C'est plus une question de choix du sujet, quoi. Parce que...
Oui, et puis je pense que bon, là, je pense que tu fais juste du factuel, en fait. Tu ne fais plus du journalisme. Tu décris ce qui s'est passé, puis sans forcément d'avoir sans forcément proposer une analyse derrière. C'est dommage. Ouais. Donc, il faut resituer tout ça dans l'époque et dans les évolutions à la fois de l'économie mondiale et aussi de l'idéologie mondiale, enfin des idées quoi, des rapports de force depuis. C'est intéressant à voir ça quoi. Comment aussi le sport en Occident a permis aussi a été un moyen de canaliser les classes populaires à une époque où elles étaient attaquées sur le plan économique et social dans les années 60 et 70, 80 et 90 et jusqu'à nos jours, avec la hausse du chômage, de la précarité, la pauvreté, le recul du niveau de vie, la perte des acquis sociaux généraux un peu partout en Europe et même aux États-Unis, c'est un peu pareil, dans les pays riches, entre guillemets, et donc où le sport sert d'un peu d'opium du peuple, vu que les religions ne sont plus trop à la mode dans ces pays-là. Enfin, surtout en France. Bon, ailleurs, c'est un peu différent. Mais donc là, le sport est un peu le nouvel opium du peuple pour détourner l'attention des salariés, des travailleurs de toutes les attaques qu'ils subissent. Mais bon, sans dire que moi, j'adore le sport et que je suis tout ça, hein, mais bon, c'est vrai que. Et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont politisés et qui sont conscients. Donc, je ne vais pas dire que tous les supporters sont loin de là, hein. Ils sont inconscients des problèmes sociaux et économiques. Mais... Bon, en tout cas, je voulais conclure aussi en disant il y a aussi des médias qui font de l'ironie en contrepoint, comme le SoFoot ou bon, il y a un site, enfin, la Fédé de la Loose, là, qui a des Oui, sites, tout ça. Ça permet les cahiers du de ne... foot aussi. Comment? Les cahiers du Ah foot oui, aussi sont. ça existe encore? Je crois qu'ils font une version papier Ah ok. qui sort de manière trimestrielle, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Mais leur forum est toujours actif et leur site est toujours actif. Oui, ils publient toujours des articles. Ah voilà. Donc là, Oui, voilà, ça permet de ne pas sombrer dans le chauvinisme total et l'absence de recul. d'avoir un peu de nuance. Et je voudrais parler au fait aussi de ces journalistes, comment dire, qui déstabilisent les puissances et les pouvoirs en place. Est-ce que tu te souviens de Alain Vernon, qui était Ah oui. journaliste pour France Télévisions, qui déjà avait commencé à parler, à évoquer les problèmes, des problèmes dans les finances de Marseille, des finances qui étaient un peu opaques et obscures, on va dire, et ce qui lui a valu de se faire littéralement casser la gueule par Bernard Tapie la veille d'un match de Coupe d'Europe entre Marseille et Moscou. Tapie avait eu vent des enquêtes d'Alain Vernon et était descendu sur le terrain avec son adjoint, enfin son homme, son conseiller, je ne sais pas comment on peut dire ça. Son conseiller juridique. Non, c'était plus, c'était son, je sais pas, je dirais pas son homme de main, mais son bras droit, on va dire. Son avocat, C'était Jean-Pierre Bernès. Non, il n'était pas avocat. ouais. Maître en barreaux. Son bras droit, Jean-Pierre Bernès, et qui était allé le menacer, puis le frapper. Il a quand même cassé une dent. Bernard Tapie a cassé une dent à Alain Vernon. Et 2 ans plus tard, pour l'affaire VAOM, c'est Alain Vernon qui a décidé de pousser l'enquête parce qu'il y avait eu des soupçons pour le match Valenciennes-OM. C'était en 93, c'était quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions entre Marseille et Milan, que Marseille a fini par gagner 1-0. En utilisant la corruption pour ce match, en demandant à quelques joueurs de Valenciennes de lever le pied et de ne pas blesser des joueurs de Marseille. Et en fait, il y avait un journaliste de Stade 2, c'était Olivier Rey, qui était allé faire un reportage et qui était revenu sans rien, sans image. Sa cassette avait été subtilisée. Et Alain Vernon, lui, avait décidé de, comment dire, d'insister et d'aller interviewer, c'était Jean-Jacques Glasman, qui, à ce moment-là, c'est là où comment dire, craché le morceau sur la corruption qui avait eu lieu pendant ce match.
Donc, il y a aussi des mecs comme Alain Vernon. Actuellement, c'est Romain Molina. Ouais. Voilà, qui parlent de sujets sensibles et qui sont très bien documentés et informés. Et qui. Et dont le travail ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Oui, ah oui, enfin, je sais pas, mais j'imagine, ouais, ça doit pas plaire à tout le monde puisqu'il critique pas mal les autorités du sport, enfin Romain Molina et des clubs. Donc, il a pas trop de remarques positives en général, quoi. C'est surtout des sujets pour critiquer tout ce qui se passe. Alors après, des fois, est-ce qu'il a pas des informateurs qui ont intérêt à ce qu'il balance des infos pour leur business personnel? Bon, ça peut-être, hein. Est-ce qu'il n'est pas manipulé par moment? Bon, sûrement, comme tous les journalistes, enfin, comme beaucoup de journalistes en tout cas. Oui, c'est Mais c'est possible. bien, ah oui, c'est sûr, c'est bien. Ouais. Bah, disons que c'est autre chose, ça donne un autre point de vue. Sur la FIFA notamment, qui est pas. C'est pas amour, gloire et beauté, la FIFA. Hein. Donc il en parle en long et en large, et il en parle très bien, et il parle de ce qui ne va pas. Et des problèmes de corruption, voilà, de politique douteuse de la FIFA, et oui, que tu ne retrouves pas forcément ailleurs. Ouais, j'avais lu aussi sur les grands, comment ça s'appelait son livre là, je sais plus, sur les grands maîtres du foot qui restent cachés, ouais, derrière. C'était pas la main noire ou quelque chose comme ça? Ah oui, la Mano Negra, ouais, c'est ça, je l'ai dans ma bibliothèque. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était très bien aussi, ouais. Non, mais c'est bien. Je pense que comme le foot a beaucoup de un gros poids, on va dire, sur les masses, sur le peuple, plus que la politique ou l'économie, c'est vrai que c'est stratégique, hein. C'est sûr que il y a plus de pression, je pense, peut-être sur les journalistes sportifs parfois que sur les journalistes économiques ou politiques. Parce que Et bon. dernière question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui ne sont pas journalistes et qui deviennent sur les réseaux sociaux ou sur les canaux de diffusion qui s'improvisent analystes en matière de sport et qui sont justement malheureusement aveuglés par leur passion pour leur club, qui fait que leurs analyses sont biaisé par cette passion. Qu'est-ce que tu penses de justement cette apparition de youtubeurs, de gens sur les réseaux sociaux qui parlent de football et des Girondins comme le ferait un journaliste? Ouais, je suis scandalisé par cette apparition et j'espère qu'ils seront rapidement radiés de YouTube. Non, je rigole. Ben, non, bon, après, c'est bien. Bon, il y a une forme d'amélioration des choses par rapport aux réseaux sociaux, comme ça, pour les gens de pouvoir s'exprimer, ou moi avec ma chaîne, ou pouvoir faire des vidéos, des choses sur des choses que. Voilà, ça, je trouve qu'il y a du bon et du mauvais, quoi. Je sais pas. Ouais. Oui, eh bien, je rends l'antenne sur de bonnes paroles. Pierre, voulez-vous conclure? À vous, Cognac G. Ce Cognac sont G, à vous les studios, pardon. vos derniers mots, Pierre, oui. Ce sont mes dernières paroles. Très bien, Pierre. Ben, merci. Et donc, à bientôt. À bientôt.